Antoine de Maximi, l'animateur de J'irai dormir chez vous, a fait quelques confidences sur sa vie privée, sur le plateau de Touche pas à mon poste, mercredi 1er juin 2022. On m'a dit que pendant certains reportages, cela s'était très bien passé et que vous aviez noué des relations sentimentales. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça ? Lui a demandé, sans prendre de gants, le chroniqueur Gilles Verdier. Je ne peux pas confirmer grand-chose puisqu'un 19 ans. Une, a-t-il répondu, révélant ainsi avoir eu qu'une seule aventure lors de ses différents tournages. Si est-ce quand j'ai tourné à Hollywood et que j'ai essayé d'aller chez une star. Je suis resté un peu longtemps sur place et effectivement, j'ai noué une affinité que nous avons concrétisée. Si est-il bon, a-t-il lancé. Seulement, cette histoire n'a pas duré. Ce n'était pas une histoire d'amour. Cyril Hanouna s'est alors permis de faire une affirmation sur la vie du célèbre animateur. Ah oui, si est-il vrai que si est-il dur pour vous d'avoir une histoire d'amour, vous partez tout le temps. Antoine de Maximi a assuré aimer être célibataire en effet, Antoine de Maximi a assuré que c'était compliqué. Je ne demande pas qu'on me comprenne, mais je fonctionne d'une manière où je me sens bien quand je suis célibataire. Je ne fais aucune concession à la liberté. Je ne veux pas de contraintes, avait-il déjà expliqué dans l'émission chez Jordan, il y a plusieurs semaines. L'animateur a pour habitude de partir plusieurs semaines en tournage, ce qui ne rend pas facile le début ou le maintien d'une relation amoureuse. We'll be right back.